Je suis Steve Nouyev, je suis fondateur de l'école Seed Digital School spécialisée dans les métiers de l'informatique et je suis également le promoteur du club informatique. Je suis Joyce, animatrice du club info de la Digital School. J'ai pour rôle au sein de ce club d'aider les enfants à appréhender de nouvelles connaissances, d'améliorer les compétences et de découvrir de nouvelles technologies. Le club informatique, c'est tout simplement un ensemble d'ateliers d'initiation au métier de l'informatique et au métier de l'ingénierie électronique pour les enfants de 4 à 18 ans. Grosso modo, c'est moi qui leur donne cours, je leur apprends comment utiliser les drones, c'est quoi la réalité virtuelle, comment ça marche et voilà. Nous avons créé le club informatique parce que nous sommes rendus compte que l'informatique, c'est l'avenir. 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Ça veut dire qu'il y a énormément de métiers qui vont être créés et qui seront accessibles essentiellement par les personnes qui auront un profil informatique ou électronique ou par des personnes qui auront des compétences allant dans ce sens-là. Donc nous nous sommes dit qu'on devait mettre sur pied un tel environnement pour permettre aux jeunes donc, de se préparer à ces métiers de demain. En inscrivant vos enfants au club informatique, vous allez faire d'eux des génies. Ils seront par exemple capables de créer des jeux vidéo, ils seront capables de créer des films d'animation en se servant par exemple des photos et du son, ils seront capables de créer des applications faisant intervenir la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle, ils seront également capables par exemple de programmer des équipements électroniques tels que des ordinateurs ou des smartphones et bien d'autres choses encore. Nous avons commencé nos activités en 2016, lorsque nous étions encore étudiants en informatique. Donc, avec un ensemble de camarades et d'amis, nous avons mis sur pied le projet et depuis, nous travaillons ensemble jusqu'à cette année-ci-là. C'est comme ça que les choses ont davantage grandi et nous souhaitons donc que les choses puissent passer à un autre niveau. La prochaine étape du projet, c'est de nous implanter dans les différents établissements parce qu'on doit être le plus près possible de notre cible, à savoir les enfants de 4 à 18 ans. Ensuite, nous allons commencer à créer des centres d'innovation un peu partout dans les différentes villes du Cameroun, de sorte que les enfants qui n'ont pas la possibilité d'être dans les écoles puissent également s'inscrire dans ces centres-là, directement là où on va les implanter. Pour pouvoir déployer un tel projet, nous avons besoin de partenaires parce que nous devons être le plus près possible de notre cible, à savoir les enfants de 4 à 18 ans. Et ces enfants-là se trouvent majoritairement dans les établissements. Après les partenaires au niveau éducatif, nous avons également besoin de partenaires financiers parce qu'il y a du matériel qu'il va falloir fournir en grande quantité pour les différents établissements et pour les différentes villes par exemple. À côté de cela, il va falloir même qu'on puisse avoir des locaux et autres. Donc nous avons majoritairement besoin de personnes qui seront capables de comprendre la vision du projet et qui vont pouvoir travailler avec nous pour qu'on puisse la réaliser de façon effective.